Bonjour, on s'appelle Palette Europe. Opulente chevelure tombe jusqu'à la cambrure, magnifique de ses reins, et subjugue les marins qui ne voient pas sa fêlure, qui ne voient pas ses ébrures, ni la force des vérins du commerce souterrain. À la rue et à l'allure, où vont les passes, elle croit qu'elle remboursera l'enflure dans 2 mois, sinon 3. Elle court après les coupures, malgré sa plaie qui suppure. Dans la peur et dans le froid, elle doit longer les parois. Marie-Thérèse tapine sur le bord, elle a des rêves et une fille qu'elle adore. Les conteneurs l'entendent murmurer, parole ma belle, ça va pas durer. Je vais bientôt rentrer, je vais bientôt rentrer. Le souvenir de la gamine agit comme l'insuline, l'empêche de s'effondrer et l'invite à se poudrer. Faut pas que l'autre fulmine celui qui roule en berline. Il sait comment recadrer les petites cylindrées. Dans la rue ou dans la mine, il expédiera l'enfant. Si sa protégée rumine, qu'elle racole en piaffant. La menace et la doctrine guident le jeu de poitrine de celle qui se défend en pensant à son vent. Marie-Thérèse sur le bord, elle a des rêves et une fille qu'elle adore. Les conteneurs l'entendent murmurer, parole ma belle, ça va pas durer. Je vais bientôt rentrer, je vais bientôt rentrer. Quelques thunes, un homme demanda à la brune d'étaler dans un canard les à côté de son art. Le maître de sa fortune accourt et lui met des prunes. Dans la soirée, ce connard la saignera au poignard. Faut pas trop qu'on importune les filles maraboutées qui la nuit venue pétunent près des passages cloutés. À chacune ses lacunes affectives et ses rancunes, à la mama d'envoûter qu'elles y aillent sans douter. Marie-Thérèse tapinait sur le port et dans ses rêves caressait son trésor. Les cons